la fête, nous trouver dans la bonne santé, c'est plus que tout. Nous demandons au gouvernement de penser à la population. De penser à la population sur le plan de l'éducation, surtout parce que moi je suis éducateur, je parle ça, sur le plan de l'éducation, de se baser sur ça, pour que les élèves puissent aller à l'école. L'ouverture est là, beaucoup d'élèves ne vont pas, je ne sais pas si c'est manque de moyens ou quoi. Donc la fête, je demande le bon Dieu qu'il continue à bénir la Guinée, cette Guinée qui nous a tout donné. Nous sommes en joie, étant que le président de la République, le père de la nation est en joie, nous sommes venus pour accompagner, parce qu'il a une bonne vision pour la Guinée. Il a vraiment, vraiment, vraiment une bonne vision pour la jeunesse guinéenne. Donc nous lui souhaitons une longévité et le progrès aussi pour ce pays. Voilà, nous souhaitons que toutes les sociétés qui sont, c'est-à-dire qui est en route actuellement pour la Guinée, nous souhaitons de leur bienvenir en Guinée et que vraiment nous travaillons dans l'harmonie, la paix et la considération. Et aussi on veut que vraiment le président de la République qu'il continue avec aussi du courage et le respect aussi. En fait, on était là depuis le matin, c'est la fête de notre chère Guinée. Mon paradis, le président Mamadi Doumbouya, il a fait beaucoup pour nous. Et puis on est là, on est fiers, depuis 7 heures on est là, on est habillé en uniforme, on est joyeuse. Donc du coup, on ne peut pas exprimer tous nos sentiments, parce que c'est le 66e anniversaire de notre pays, donc nous sommes fiers de notre pays. Nous, on demande ici que l'autorité Mamadi Doumbouya nous aide à construire des entreprises pour la jeunesse, en fait d'améliorer les points de vie parce que la Guinée souffre, d'augmenter, d'aider la jeunesse à s'améliorer dans les entreprises. La jeunesse ne travaille pas du tout, la jeunesse ne travaille pas, elle n'a qu'à aider la jeunesse. Si vous voyez qu'un pays se développe, c'est grâce à la jeunesse. Donc Mamadi Doumbouya n'a qu'à venir nous consulter, il n'a qu'à nous aider à aider la jeunesse guinéenne à beaucoup travailler, à avoir le travail, les entreprises privées comme publiques. Accès à la fonction publique aussi, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne travaillent pas actuellement, ils sont à la maison assise, il n'y a pas de boulot, ils n'ont pas d'accès. Donc il n'a qu'à venir en aide pour nous.